Salut YouTube, c'est Rookster, on se retrouve pour une vidéo gameplay Dead by Daylight Killer avec Billy. Après donc le patch, donc Alan Wake qui a vu le tueur eh bien, être modifié avec un nouveau donc, pouvoir, l'overdrive, qui fait que lorsque vous allez utiliser votre tronçonneuse, vous allez donc passer en une sorte de surcadence qui vous permettra d'utiliser votre tronçonneuse donc plus rapidement, qui va vous permettre vraiment d'avoir des turns assez insane. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo un peu spéciale. Il y aura donc deux gameplays. Le premier gameplay va être avec le build donc, que je vais vous présenter tout de suite. Ça sera sur Crotus. On a donc utilisé Chili Barbecue, donc du cannibale Laserface, qui fait qu'après avoir aucun survivant, et eh bien les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 5 secondes s'ils sont plus à de 40 mètres donc du crochet. On a pris des boussolets du clown, qui fait que votre vitesse lors d'un saut d'obstacle est 15% plus rapide, et lorsque vous allez donc faire cette action, l'entité bloque le lieu pendant 16 secondes, un seul lieu à la fois, et ça n'affecte pas les palettes. On a pris le tour et joué donc du clown, qui fait qu'après avoir hook et eh bien un survivant, le générateur suivant que vous allez endommager perdra immédiatement 30% de progression actuelle, et cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. Et enfin on avait pris le poursuivant meurtrier, donc qui fait qu'en début de game vous verrez l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes, et vous, donc chaque fois que l'aura d'un survivant vous est révélée, eh bien cette durée est augmentée de 2 secondes. Pour les add-ons qui ont tous été remodifiés, on avait donc testé l'huile moteur bon marché qui va augmenter de 15% la génération de sur-régime pour passer en overdrive. Et on avait pris les bottes à pointe qui vont augmenter de 45% la vitesse donc de virage d'attaque ruée donc de votre tronçonneuse. L'idée dans ce build est simple. Déjà en début de game avec le poursuivant meurtrier, vous allez tout de suite foncer donc sur les survivants et vous allez essayer donc de mettre un maximum de pression. Je rappelle, foncez toujours vers le plus grand nombre de survivants et pas forcément le survivant le plus proche, comme ça vous mettrez de la pression sur plusieurs survivants et non pas sur un seul. Avec l'huile moteur vous allez avoir donc l'overdrive qui va arriver plus vite. Je rappelle, l'overdrive, lorsque vous verrez votre tronçonneuse qui va devenir bleu donc en flamme, c'est là où vraiment vous mettez le plus de pression avec votre Billy. Attention cependant, le Billy a été up. Cependant, je dirais que sa difficulté a été up aussi, puisque lorsque vous êtes du coup en overdrive, votre tronçonneuse va beaucoup plus vite, vos turns sont beaucoup plus violents, ce qui fait que dans un sens, les main Billy vont vraiment se faire plaisir, mais pour une personne donc, qui est néophyte avec le personnage, il sera d'autant plus eh bien, difficile de jouer avec, puisque je rappelle, Billy souffre également donc, eh bien, des maps avec beaucoup d'environnement. Non moins, vous avez pas mal d'addons qui ont été rework, qui vous permettront en fait de vraiment utiliser votre tronçonneuse à plein escient, donc faites-vous plaisir. Avec la botte à pointe, vous allez avoir 45% donc de vitesse d'attaque ruée, donc de tronçonneuse qui va être augmentée, ce qui fait que vraiment vous pouvez énormément donc manipuler votre tronçonneuse avec beaucoup plus d'efficacité, et vous verrez, c'est hyper agréable à jouer. Avec du coup le chili, lorsque vous allez hook un survivant, vous allez pouvoir donc eh bien, voir les autres survivants qui sont à plus de 40 mètres. Vous pouvez utiliser votre tronçonneuse et vous pouvez vraiment du coup traverser les maps pour pouvoir tout de suite mettre beaucoup plus de pression donc en jeu. Avec le déboussolé, eh bien, vous allez pouvoir nullifier dans certains loops les fenêtres, ce qui vous permettra eh bien, de mettre un maximum de pression. Si jamais il n'y a pas d'autres fenêtres ou d'autres toilettes eh bien, pour le survivant, vous pouvez donc vous rapprocher de lui, vous utilisez votre tronçonneuse et vous le mettez en état critique. Enfin, avec le tour et jouer, vous allez pouvoir naturellement ralentir le rythme de la partie, puisque vous allez pouvoir endommager donc les générateurs et leur faire perdre immédiatement 30% de progression actuelle. Je rappelle, attention, il s'agit bien de progression actuelle, essayez toujours d'endommager le générateur avec la meilleure progression. Je rappelle également qu'avec le patch du coup, les générateurs ont une nouvelle donc, fonctionnalité. Quand vous allez endommager un générateur, vous lui faites perdre désormais 5% de progression et non plus 2,5%. Cependant, vous ne pouvez plus endommager un générateur que 8 fois. Donc, faites bien attention si jamais la partie dure trop longtemps, de ne pas trop endommager les générateurs et de bien faire une bonne gestion et de l'économie par rapport à ceci. La deuxième game, du coup, elle se passe sur Leri, donc avec le build ci-dessous. On reprend donc le tour et jouer du clown. Ensuite, on a pris donc la sombre étreinte de l'artiste. Chaque fois qu'un survivant donc est hook à un crochet, pour la première fois, vous allez avoir un jeton. Et lorsque vous vous éloignez donc de 16 mètres du crochet, tous les générateurs donc sont bloqués pendant 12 secondes. Et dès que vous avez donc atteint les 4 jetons, eh bien, lorsque vous vous éloignerez de 16 mètres, l'entité bloquera tous les générateurs de la carte pendant 45 secondes et vous verrez l'aura de l'obsession pendant 6 secondes. Après ça, eh bien, cette compétence se désactive. On a repris le déboussolé du clown, comme à la partie précédente. Et enfin, on avait pris le dispositif de l'homme mort, qui fait que lorsque vous allez hook un survivant à un crochet, cette compétence doit s'activer pendant 30 secondes. Et une fois activée, donc tout survivant qui va s'arrêter avant d'avoir entièrement réparé le générateur, fera que l'entité va bloquer donc ce ou bien ces derniers jusqu'à la fin de cette compétence. Et vous verrez leur aura en blanc. En add-on,
on avait repris la boîte à pointe et on avait pris le carburateur réglé qui va augmenter de 20% la vitesse de charge de la tronçonneuse et qui va réduire la vitesse de déplacement de base à 4,4 mètres par seconde. Alors l'idée dans ce build est simple, déjà on a encore le classique donc du tour éjoué et donc du déboussolé avec la botte à pointe. Là avec le carburateur donc réglé, vous allez charger déjà d'autant plus vite votre tronçonneuse hors donc overdrive. Et lorsque vous allez donc passer en overdrive, alors là votre tronçonneuse vous allez vraiment la charger de manière exponentielle. Vous pourrez vraiment vraiment surprendre les survivants. Attention cependant, encore une fois, plus vous allez charger vite votre tronçonneuse et plus vous pourriez ne pas faire attention donc à la jauge de charge et vous pourriez eh bien lancer vos mouvements de tronçonneuse et ça pourrait se retourner contre vous. Avec la sombre étreinte, vous allez vraiment ralentir la partie puisque déjà à chaque fois que vous allez hook un survivant en fait, vous allez donc bloquer les générateurs pendant 12 secondes déjà de base, mais surtout en fait vous allez faire proc du coup eh bien le dispositif de l'homme mort, ce qui fait qu'au final avec la sombre étreinte, vous avez eh bien 4 fois durant la partie tous les générateurs de la carte qui sont bloqués pendant 30 secondes puisque eh bien les survivants vont être forcés donc de lâcher leur générateur. C'est assez insane. Le combo vraiment des deux vous fait gagner un maximum de temps et en plus de ça vous avez 40 secondes du coup à la fin donc grâce à la sombre éteinte. Vous verrez, c'est un gameplay qui est très fort. Je pense même que ce combo va être très nerf. Ça avait été annoncé qu'il voulait du coup le surveiller. Donc à voir. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay. J'espère eh bien que cela vous plaira. Le nouveau Billy est extrêmement fun à jouer. Je vous encourage vraiment vraiment à essayer donc le personnage. Si le contenu vous plaît, vous pouvez eh bien lâcher un petit follow, la petite cloche. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch et YouTube du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur DBD et bonne chasse à tous. Allez, on est sur Crotus. On va tester un peu. On a le poursuivant meurtrier. On a... Dommage. On a pris une palette. Allez, faut qu'on le zone ici, là. Oui, d'accord, ok. Wow, mais what? Non mais ça c'est nimp ça. The fuck. Ah ouais non mais. Parfait. Ok, y a pas de safe flash, nickel. On est de nouveau sur des adorateurs donc de la technique ancestrale. Donc il va vraiment falloir que il m'explique un peu les. Il va vraiment falloir qu'il m'explique comment ils ont du coup eh bien changé les body blocks sur les palettes. Parce que je comprends pas en fait. Ça fait deux fois que je me fais du coup avoir alors que littéralement je body block la personne. Et c'est fatigant. Coucou Avar, comment tu vas BG? Franchement c'est vraiment chiant et ça m'énerve. Oh t'es sérieux mon ref? Ok. Ah bah là, BG, je vais pas pouvoir t'aider malheureusement
Quelqu'un peut aider Frodon, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, mon petit héros, pour ton visage. Ah, ça mange bien les gènes, hein. Ça mange bien, ça mange bien. Ça mange du pain. Des bons petits croutons. Oui, non, mais je sais que t'es là. Non, mais... Je... Mais t'es mort ? Bah attends, mais hey, what the fuck ? Non mais hey, c'est horrible, c'est quoi ces body blocks qui fonctionnent plus là ? What the fuck en fait ? Mais ça n'a aucun sens ! Genre mon body block il passe pas là en fait. Je comprends pas en fait là pour le coup. Merci, ouais. Je comprends pas. Mais c'est incompréhensible. Ouais, peut-être, je sais pas, Ava, mais... ça, c'est incompréhensible, quoi. Genre... vraiment, c'est incompréhensible. Ok, évidemment, elle avait libé... Ok, va prendre la fenêtre. Ah, les avaleurs de gènes, c'est une dinguerie. Padam, 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 padam. T'as l'autre gaze, évidemment, qui ne veut loop qu'à la chaque. Ok, Alan Wake, il est là, on va le tuer. Du coup, bah, c'est le... Bah, du coup, t'es mort, hein, mon ref. Hein. Allez, hop. Du coup, ça en fait un. Désolé, mon ref. Oh, il y a les trois, mon ref. Il y a les trois qui sont là. Je l'ai vu, hein, la Ada, elle est revenue, hein. Là, ok, on peut la Bloodlust. Je vais pas la suivre dans le main. Du coup, ça serait complètement inefficace. Elle a déjà réussi à... du coup, enlever 5%. Il y avait la Zarina qui était par là, quelque part. Ok, Michaela, elle est là. Mais Théma ! Non mais, hey, mais sérieux, c'est quoi ces body blocks ? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux body blocks ? Mais au secours ! La flash, allô ? Ils ont fait quoi aux body blocks dans ce jeu, là ? Ah oui, d'accord, bah voilà. Vous voyez, je peux bientôt plus endommager ce générateur, du coup. Je peux plus protéger, en fait, mes objectifs avec le nouveau patch. Voilà, j'ai atteint ma limite, du coup, quasiment d'endommagement. On peut remercier du coup la communauté survivante par rapport à ça au passage. Donc nerf trigène soi-disant. C'est aberrant. Là pour le coup on est sur une... Ouais ils l'ont quand même mis ouais. Oh oui je suis dessus mais ça fonctionne pas. Très bien on aime. On est sur du solide hein. Vraiment là... C'est aberrant. Vraiment c'est aberrant. Non, c'est impossible que tu m'aies, mon ref. Calme-toi, par contre, s'il te plaît. C'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Donc, ils ont mis un système où, où littéralement, en fait, tu ne peux pas... du coup, eh bien, protéger tes objectifs... C'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Je trouve ça... ok. Bon, allez, c'est pas grave. Mais il y a quand même des trucs chelous hein, sur le patch. Genre, vraiment, hein, les hitbox... Elle a terminé le gène, ok.
Elle a du coup voulu terminer le gène plutôt que de sauver ses potes. Donc bah là c'est simple, on est en endgame, je vais attendre. Bah ils sont morts en fait, GG à elle. En fait là pour le coup, vous voyez ce qu'elle vient de donner. Elle vient de me donner du coup, elle m'a donné la game, pourquoi? Parce que si jamais en fait j'étais resté là, j'aurais pas pu camper en fait. Sauf que là en faisant ça en fait, eh ben elle m'a, elle me laisse en fait la possibilité de camper. Ok, donc là elle est là bien évidemment, bien joué elle. Ok, donc l'autre elle a voulu, je pense, body block la... La Zarina elle est là-bas. On va ramasser. Ah purée, elle a peut-être libération. Bah je sais pas moi ce que tu deviens, mon petit Frodon là. En vrai je sais pas ce que tu deviens hein. Est-ce qu'elle va essayer de... Ok, elle s'est reset. Est-ce que par hasard elle va essayer de... d'aller ouvrir les portes ou pas? En vrai j'ai pas vu... J'ai pas la visu. Ok, très bien joué. Ça je veux jouer altruiste. Ça joue altruiste, mais là du coup malheureusement bon, on va rester comme ça. Bon, pas la veille. Allez, on pète. J'entends, je vois rien. On va la ramasser. Voilà, on va la mettre là puisqu'on a vu du coup que l'Ada était là. Ok. Ah, nice. Eh ben, quand même quelques petits trucs assez, assez bizarres. Mais bon, bon ça l'a fait, mais les body blocks ils sont bizarres à manœuvrer maintenant, je trouve. Hein. Les body blocks passaient mieux avant. Mais du coup, oui, voilà, effectivement, hein, le côté du coup, oui, Billy, ça devient très fort. Oui, Billy devient fort, ça c'est clair. Mais Billy souffre toujours des problèmes d'environnement qu'il a toujours eu, tu vois. Ah ouais. Bon, allez Liri, c'est parti. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de faire ce qu'on peut et puis on verra bien. Hein? Allez, c'est parti, il y a un survivant qui est là. Ok, donc c'est Wake. Dommage. Là, j'étais trop gourmand, là. J'ai été trop gourmand. Ok, bon, voilà, par contre, pour le... Ok, donc on va avoir l'entrave. Ça y est, du coup, on a l'entrave, donc, de la perk. That's what I'm talking about, baby! En vrai, ça va. J'ai pas trouvé que l'entrave, elle était si... J'ai pas trouvé l'entrave si ignoble que ça, perso. J'ai pas trouvé l'entrave si ignoble que ça. On a vu la Zarina, on va aller sur elle. Ok, elle va passer par là. Zarina, je rappelle. Oh, bien joué. Ouais, bébé, that's what I'm talking about. Oh, oh, oh.
Ah ouais, bébé, on n'a pas fini de vous faire aimer la viande. Ça, j'aime. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls. Allez, c'est parti. On peut vraiment remettre de la pression. Je rappelle, ça va être encore bloqué de nouveau. Donc vraiment, le but de ce build là, c'est de mettre de la pression immédiatement en early. D'accord? Vous avez les survivants qui sont là. C'est encore bloqué. Non? Ok. Intéressant, ça. Ok. Ok. Oh là là, ce que j'aurais... Oh, ce que je t'aurais mis, mon ref! Dommage. Ok, ça continue. Ah ouais, mon gars. Vas-y, ça marche, Rock. Allez, c'est pas mal. Bon appétit, ma petite Kiki! Oh ouais! Oh, j'aime, bébé! Oh, c'est tellement bien! On envoie tous un maximum de cœur à Kiki qui va manger! Boum! Ouais, essaye pas de flash, toi, hein, mon ref. Voilà, dégage, j'arrive tout de suite. On met de quoi? Oh, c'est une dinguerie, j'adore. Bon, du coup, Alan, t'auras pas ton prestige à mon ref, je suis désolé. Bien joué. Sexy, ça. Mais par contre, t'abuses pas. Du coup, t'es mort. Non, ça fonctionnera pas, ça, malheureusement, chérie. Ouais, il aura pas son adepte, ouais. Allez! Salut James! Ok, bien joué ça! Ok, donc là il y avait un survivant. Oh salut Michael! Ah là, le scorpion! Ok, donc là on va voir les gènes du coup. Ils vont être bloqués pendant 40 secondes puisque c'était la dernière du coup. À ne pas avoir été hook. Et là j'ai du coup 40 secondes où vraiment les survivants ne peuvent plus rien faire. Et il faut vraiment que j'en profite. Allez, c'est parti, re-Willy. Ok. Salut ma petite mec d'amour. Ok. Ok, bien joué. Oh non! Si j'avais chargé, purée, je l'aurais eu, quoi.
Dommage. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait... j'ai mal joué. Là, pour le coup, j'ai mal joué parce que si j'avais continué, du coup, de charger mon pouvoir, c'était good. Dommage. Merde. Là, c'est moi qui ai mal joué. Bien joué à eux, du coup. Enfin, bien joué à elle. Ok, ça s'est reset. Allez, on va taper ça. Tac. Ok, j'ai vu un surv là. Si je me trompe pas, j'en ai vu un. Tu vois. J'ai pensé, mais non. C'est compliqué, hein, Leary. Billy, avec Leary, c'est compliqué, hein. Je vais pas vous mentir. Oh, putain! Bah, j'essaye. J'essaye, Billy. Willy. Là, c'est des tests, hein. Ok, elle est là. Quoi? Attends, mais je l'ai bodyblock et elle arrive à me... Ok, bah écoute, GG à toi. Elle a... Je l'ai bodyblock et elle a réussi à me mettre la palette. Bien joué. Normalement, je pense pas que ça aurait pu être possible, mais apparemment si, du coup. Allez, on va sur la Zarina. Apparemment, la modification, elle est implémentée, ouais, Esquad. Ok, joli souple, bien joué. Ouais, je l'ai body et aucun effet. Bah GG. Elle va sauter, je pense. Même pas. Ok. Voilà, mange. J'en étais sûr. C'est une team en plus, donc avec des offrandes de map, etc. On va sur elle. Ok, d'accord. Ça pré-drop. Ouais, mais je l'ai vu direct, hein, Sky, qu'ils allaient, qu'il y avait une safe palette. Franchement, je l'ai cramé direct. Je cramais direct. Ok, elle est là, elle. Ok, parfait. Allez, aucune safe possible cette fois. Ça va, Basement? Ouais, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres, hein. Je mets bien au fond. On va mettre un pop ici. Ok, ça a enlevé, du coup. Je pense que là, c'est la Zarina qui est là. Je pense qu'elle va passer par là. Voilà. Salut Zarina. De ouf, la meilleure mabilie là. Allez, du coup elle est morte. C'est une excellente map pour Billy ça en vrai. Ok, on a vu les traces rouges. Bon, je pense qu'elles vont faire le tour comme ça. Évidemment, elles ont fini le gène. Donc là, c'est simple. Il y a Meg qui est en P1. Et du coup, il y a Michaela qui est P2. On va aller sur la Meg. Elle va arriver par là. Voilà. Elle drop. Hein,
La Meg, elle drop. Voilà, là, elle va pré-drop. Normal, bien joué. Ok, elle va continuer. Elle court quand même vachement vite, hein, la Meg, j'ai l'impression. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'elle me met... elle me met des boulevards, là, la collègue, là. Elle me met des boulevards. Et ça, c'est vraiment bizarre, pour le coup. Ok, nice. Donc là, la curve qui passe, impeccable, du coup. Il va rester Michaela. Sachant que Michaela, elle va sûrement arrêter du coup de faire son gène. Et je vais pouvoir la cramer du coup avec mon dispo. Voilà, donc Michaela, elle était là. Elle va passer du coup comme la Zarina ici, je pense. Même pas. Bien joué, t'es sexy ma petite Michaela. Michaela qui est là. Du coup, on l'a vu. Ah, elle est nickel. Allez, on l'a fini à la tronçon quand même. Sinon, ça serait pas drôle. Dommage. Ah oui, d'accord. Putain, mais... Bon, du coup, on l'a fini pas à la tronçon. Le marteau, c'est pas mal aussi. Et ben voilà. En vrai, sympa. On n'a rien vu. Ah oui, il y a le retour du chevalier aussi. C'est beau ça. Bon, en vrai, là pour le coup, le build était quand même beaucoup plus intéressant. Cet addon-là irisé qui vous permet de monter votre...